Et donc, Fabien, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci Valérie, bonjour à toutes et tous. Vous voyez bien du coup ma présentation. C'est tout bon. Ok, super. J'interviens notamment pour ceux et celles qui avaient pu participer à la présentation des Shifters le 4 octobre, qui était l'entreprise des dérèglements climatiques, nouvelle source d'opportunité. À ce moment-là, moi j'étais en Continue pleine les uns, hein, pour préparation me remontrer de ma comment on avait mémoire fait, tu sais, pour faire les professionnelle. extraits d'émeraude. Oui, Et pas de souci. oui, parasite. Merci beaucoup. J'étais dans la préparation d'un mémoire universitaire sur la base de l'impact du réchauffement climatique sur la qualité de vie au travail. J'avais contacté Valérie en disant, bah, tiens, est-ce que ce serait possible de faire passer cette présentation aux Shifters? Bon, parce qu'elle était très orientée santé, sécurité au travail, alors que du coup, les Shifters aussi on avait développé l'angle emploi et économie, notamment l'impact pour les entreprises. Et qui pouvait être aussi une source d'opportunité vis-à-vis de l'adaptation. Donc, pour me présenter rapidement, donc moi je suis responsable d'un service de santé et sécurité au travail dans une industrie du nucléaire. Alors, je n'ai pas mentionné le nom de l'entreprise parce que du coup, ce travail-là, je l'ai fait dans un cadre personnel. Donc voilà, je ne suis pas à ce moment-là tributaire, je n'engage pas le nom de mon entreprise quand je fais cette présentation. J'ai réalisé des diplômes universitaires QVT Santé de l'IAE Lyon 3. Donc, notamment, c'est par l'IAE et par l'association des alumni que j'avais eu connaissance de la FQP et de l'intervention des shifters. Voilà, je suis aussi élu du CSE sur mon établissement de plus de 2000 salariés. Je suis à temps partiel 80% depuis le 1er janvier 2022. Et vous allez voir que ça aura son importance aussi quand on parle de la semaine de 4 jours. Que du coup, voilà, je comprends aussi les bénéfices de la semaine de 4 jours, et donc je peux aussi en parler. Et puis, j'ai plusieurs engagements citoyens associatifs, notamment autour de la mobilité durable, la promotion de l'usage du vélo, le réchauffement climatique, par exemple, en étant animateur de la fresque du climat. Donc, le déroulé de la présentation, ça va être un effet entonnoir. Donc, tout d'abord, j'aborderai le contexte sociétal et écologique pour un peu comprendre aujourd'hui. Depuis notamment 3 ans, dans quelle situation se retrouve le monde du travail et quelles sont ces transformations? Ensuite, je passerai en revue les prévisions de réchauffement mondial et les effets directs, et notamment les effets déjà ressentis en France. Alors ça va être peut-être une redite de ce qu'avaient dit les shifters. Donc voilà, je passerai un peu plus vite. De toute façon, je pense que vous aurez la présentation et du coup, vous pourrez éventuellement aller plus loin dans les informations qui sont partagées sur mes slides. Ensuite, du coup, plus spécifiquement, donc l'impact du réchauffement climatique sur le monde du travail. Et on va regarder le lien entre l'anxiété climatique et le rapport au travail, notamment quand on parle aujourd'hui d'éco-anxiété ou de préoccupation des salariés, en tout cas de la population au réchauffement climatique, et quel impact ça a dans leur quotidien professionnel. L'impact sur les conditions de travail, et puis à la fin, une petite synthèse finalement avec sur les nouveaux enjeux de la qualité de vie et des conditions de travail. Et puis enfin, en dernier lieu, les nouveaux besoins et les attentes des salariés, et notamment en développant des politiques RSE QVCT intégrées. Et puis, on va faire un zoom sur la semaine de 4 jours. Alors, le mémoire, la présentation était vraiment très large sur des recommandations à l'attention du monde du travail pour s'adapter en termes de prévention primaire, secondaire et tertiaire vis-à-vis des enjeux, notamment de vagues de chaleur, etc. Là, ici, j'ai choisi vraiment d'orienter sur les attentes des salariés vis-à-vis de la semaine de 4 jours. Et notamment les dernières études toutes récentes qui sont sorties, notamment qui viennent des Britanniques et qui viennent un petit peu documenter cette présentation. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, depuis 3 ans, les salariés ont connu énormément de bouleversements, de changements, voire des nouvelles contraintes. Donc voilà, j'ai repris un petit peu une petite image qu'on a retrouvée à un moment donné sur les réseaux sociaux que vous voyez à gauche avec la vague Covid tout d'abord. Donc, c'était les enjeux de santé publique avec du chômage partiel, le président Macron qui nous parlait du quoi qu'il en coûte, la valorisation sociale des métiers de première ligne. Puis, du coup, il y a d'autres métiers, c'était plutôt une crise de sens avec la notion de bullshit job qui a fait son apparition. Et puis, on a vu les protocoles sanitaires des entreprises. L'isolement lié au télétravail et lié au confinement, et puis les liens sociaux qui ont été substitués par le digital et les codes sociaux, par exemple, de plus serrer la main. Et puis, dans le même temps, on a eu aussi l'accord national interprofessionnel sur le télétravail et puis le flex office qui s'est invité, notamment les établissements tertiaires qui ont contribué à transformer les lieux de travail et les fonctionnements de travail de manière assez radicale en seulement 2 ans.
Donc, du coup, ce qui nous a conduit à une accélération de la transition numérique, la transformation des modèles managériaux par le travail à distance. Et puis, ben, post-Covid, enfin, on était toujours un peu dedans, mais on a commencé à avoir ces risques de récession arriver. On a entendu parler de Big Quit et la grande démission, notamment aux États-Unis. On a toujours, je pense, pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui encore, de la pénurie de main-d'œuvre et des tensions sur le recrutement dans toutes les filières. On a aussi des tensions sur le secteur de l'énergie avec un appel à la sobriété des entreprises et notamment ce plan de la sobriété qui a été présenté par le gouvernement en octobre 2022. À ce moment-là aussi, le président Macron présentait la fin de l'abondance dans un contexte avec une inflation à 5,2%. Et à ce moment-là, les salaires et le pouvoir d'achat étaient vraiment au cœur du dialogue social au sein des entreprises et des représentants du personnel. Donc, à un moment donné, il fallait qu'aussi les entreprises, du coup, restent attractives et arrivent à fidéliser leurs salariés. Et donc là, les enjeux de qualité de vie au travail sont venus un petit peu au cœur des échanges et du dialogue social. Et puis les enjeux de salaire et dans un contexte d'inflation et de coût de l'énergie qui ont centralisé un maximum de discussions. Voilà, pour commencer notre vague du changement climatique, justement, pour reprendre la petite image. Donc, depuis 2020, on a aussi connu le sixième rapport d'évaluation du GIEC, donc le groupe international des experts du climat, et notamment l'ONU qui a déclaré l'année dernière, appelé à déclarer l'état d'urgence climatique au niveau mondial. On a eu le dernier rapport synthèse du GIEC qui a été publié en mars 2023 et reprend les quatre premiers opus du sixième rapport et en plus un petit peu de condensé des résumés du cinquième rapport d'évaluation. En France, on a eu la loi climat et résilience qui ont entraîné de nouvelles obligations pour les employeurs et des attributions pour notamment les représentants du personnel. Et puis, on a pu le voir, vous avez pu le voir comme moi, l'accélération des effets déjà ressentis du réchauffement climatique, notamment en France, avec 33 jours de canicule recensés à l'été 2022. On a eu 32 jours consécutifs sans pluie. Ça conduit à la sécheresse, un spectre de la crise de l'eau. Et puis, le ministre Béchu a parlé de ne pas hésiter à commencer à préparer notre pays à plus 4 degrés de réchauffement. Et plus 4 degrés de réchauffement, on verra du coup que ça a des conséquences considérables en termes d'économie, d'emploi mondial, mais aussi au niveau français. Voilà, donc brièvement, aujourd'hui, la trajectoire du réchauffement, les estimations qui ont été confirmées par le GIEC, donc les 1,5 degrés, ce fameux, ces accords de Paris qui devaient prendre des engagements au niveau des pays de ne pas dépasser les 1,5 degrés. Aujourd'hui, par rapport à la trajectoire, on devrait les atteindre entre 2030 et 2035, les 2 degrés d'augmentation moyen autour de 2060. Je vous ai remis aussi une petite... un petit visuel du coup qui a été fait par Bon Pote qui résume les conséquences avec en fonction des températures, donc sur la partie des sécheresses, des précipitations, la baisse de l'enneigement et puis l'augmentation des cyclones tropicaux. Quand j'avais fait ma présentation de soutenance de mémoire, c'était le visuel sur 2021, qui était la sixième année la plus chaude depuis 1850, et 2021, qui était l'été le plus chaud jamais enregistré. Et ben là, quand j'ai repréparé cette présentation, 2022, finalement, c'était la cinquième année la plus chaude, et 2022 aussi, au niveau européen, l'année la plus chaude. Donc voilà, donc chaque année, on bat des records de température. Et on verra les incidences que ça a sur l'emploi et l'économie et aussi les enjeux sanitaires. Pour resituer les scénarios présentés par le GIEC, donc on a quatre grands scénarios qui sortent des rapports. Le scénario le plus optimiste, c'est celui des 1,5 degrés, c'est le RCP 2.6. Vis-à-vis des émissions actuelles, on est plutôt sur le RCP 6, donc c'est-à-dire avec une augmentation de 2 à 3,7 degrés d'ici 2100 en termes de température. Les scénarios les plus pessimistes, c'est si vraiment on ne fait rien par rapport aux émissions actuelles, on atteindrait entre 3 et 5 degrés, voire plus de 5 degrés d'augmentation température moyenne d'ici 2100. À savoir que du coup on a rabattu un nouveau la moyenne de concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère a été de 417 parties par million en 2022
Et la station de Manoloa aujourd'hui, qui est située à Hawaï, du coup, a relevé un nouveau record de pic de CO2 dans l'atmosphère à 425 la courant avril. Donc, je vous ai mis quelques chiffres clés du réchauffement au niveau mondial pour bien comprendre les effets à la fois sur l'économie, sur l'emploi et sur la santé. Donc, tout d'abord, l'ONU fait part que c'est 250 000 décès supplémentaires par an entre 2030 et 2050 qui pourraient être recensés, notamment liés à la malnutrition, le paludisme, les diarrhées et le stress lié à la chaleur. On aurait des coûts et des dommages directs pour la santé se situant autour de 2 et 4 milliards de dollars par an d'ici 2030. 216 millions de personnes risquent d'être contraintes de migrer à l'intérieur du pays. Et puis, on a le coût économique de la non-adaptation qui pourrait s'étendre aujourd'hui, qui est d'environ 100 milliards d'euros par an, à 250 milliards d'euros par an en 2050. Au niveau européen, on pourrait perdre 410 000 emplois d'ici 2050. Et puis, au niveau mondial, c'est déjà 650 milliards d'heures de travail qui sont perdues annuellement en raison de chaleurs humides intenses dans les activités agricoles, forestières, construction, etc., ce qui est équivalent à peu près 148 millions temps plein. Et puis en 2030, donc là, un rapport de l'OIT et de l'ONU fait part donc, que 2,2% des heures travaillées pourraient être perdues en raison des températures élevées, ce qui représente 80 millions d'emplois temps plein. Et ça, c'est avec le scénario le plus optimiste, c'est-à-dire le scénario des 1,5 degrés d'augmentation d'ici la fin du siècle. Et puis, c'est l'ensemble de ces heures perdues, ça serait 60% des heures de travail perdues dans l'agriculture et 19% dans la construction. Donc, notamment dans l'agriculture, ça met un spectre derrière de crises alimentaires, certains, en fonction du niveau de réchauffement. À droite, vous avez des visuels alors, qui ont été pareil, confirmés par le GIEC là, dans le rapport synthèse. Donc, à quoi ressemblerait un monde à plus 4 degrés? Donc, en fait, les zones rouges foncées, eh ben, c'est les zones qui seraient rendues inhabitables, du coup, dont les populations seraient obligées de migrer. Et notamment inhabitable en raison de la température et puis de l'hygrométrie, donc de l'humidité qui rendrait ces zones-là complètement invivables, donc au niveau de l'équatorial. Concernant les effets déjà ressentis en France, donc la température moyenne a augmenté de 1,7 degré depuis 1900, donc on peut voir là sur le graphique en haut à gauche. Et puis, on peut voir en haut à droite eh ben, l'écart par rapport aux moyennes de température sur la période 1960-1990. Et donc, on voit là les 20 dernières années, donc, ont été, les 30 dernières années, qui ont été toutes au-dessus des moyennes de température de cette époque. Et ce qui est intéressant de marquer pour la suite de la présentation, c'est le nombre de personnes qui sont exposées aux canicules, aux vagues de chaleur. Et donc aujourd'hui, on a entre 20 millions à 50 millions, voire 60 millions sur certaines années, donc l'ensemble de la population française qui sont exposées à des vagues de chaleur. On a vu notamment à l'été 2022 avec 4 vagues de chaleur, et donc enfin, le nombre de personnes du coup, qui ont été exposées à ces risques. Donc quelques chiffres clés en France, parce qu'on a vu un petit peu la partie mondiale et européenne. Donc en France, le risque climatique est un indice fort et très fort. Donc, les risques climatiques, pardon, sont un indice fort et très fort sur 15% du territoire et concernent 60% de la population française. Voilà, donc depuis 2015, on a 40 millions de Français qui sont exposés au moins une canicule par an. Il faut savoir qu'aussi, on a 9,8 millions d'emplois qui sont exposés au débordement de cours d'eau et aux submersions, donc les crues et les submersions. Voilà, donc les submersions qui vont être plutôt, elles, liées à des effets de cyclones ou d'augmentation du niveau de la mer, et puis les crues plutôt à des phénomènes intenses de pluie. Aujourd'hui, 85% des victimes des aléas climatiques résultent des vagues de chaleur. Et puis, on a une surmortalité liée aux vagues de chaleur. Alors, les chiffres qui ont été annoncés par Santé publique France pour l'été 2022 s'établissent à plus 10 420 par rapport, voilà, à la moyenne des autres années. Dans un contexte Covid, en tout cas, donc c'est parmi cette population-là, c'est 2 816 décès supplémentaires qui ont été constatés pendant les périodes de canicule. On verra aussi l'importance du réchauffement climatique sur les risques naturels et technologiques pour les entreprises. La base ARIA, qui recense les événements
naturelles et technologiques justement pour les entreprises, recensait seulement 7 événements liés aux aléas climatiques en 2010 et puis 56 en 2019. À savoir aussi au niveau de la santé publique, les effets du réchauffement climatique, notamment les vagues de chaleur et les canicules, ont un impact certain sur la pollution de l'air et notamment les pollutions à l'ozone en période estivale, qui entraînent des surmortalités de 40 000 décès par an, en tout cas, voilà, ainsi qu'une baisse de l'espérance de vie. Les rapports aussi montrent qu'un tiers des Français aujourd'hui sont allergiques au pollen, et notamment en raison de cette dégradation de l'air, c'est le 50% de la population française qui pourrait être allergique d'ici 2050. Je reprends ce petit visuel qui vient du Plan national d'adaptation au changement climatique, puisque c'était les effets déjà visibles et à venir d'ici 2050. Or, on se rend compte que déjà en 2022, on était sur une température moyenne de 1,7 degré. Et puis, l'ensemble de ces prévisions, finalement, se sont produites rien que sur l'année 2022. Donc, on a eu des vagues de chaleur, donc 4 vagues de chaleur qui ont été recensées. On a eu la sécheresse avec un nombre de records de départements qui étaient en alerte sécheresse et donc avec des restrictions de l'usage de l'eau. On a eu les feux de forêt, et notamment, vous avez tous en tête les Landes et puis la région de Bordeaux. Et puis aussi, on a eu des parts de feux en Bretagne et dans le nord de la France, donc, ce qui était jusque-là presque improbable. Et puis, des aléas climatiques très forts, notamment avec des orages de grêle, qui ont abîmé des outils de production et des infrastructures. Et puis, on a eu, dans le même temps, des alertes d'invasion, notamment tout ce qui est moustiques tigres, etc., qui aujourd'hui se retrouvent de plus en plus dans le nord de la France, donc qui portent des maladies, qui peut porter certaines maladies, comme le chikungunya ou la dengue. Donc voilà, donc là, un petit peu pour en faire un topo, donc les enjeux du réchauffement climatique, là, on voit les enjeux sur l'emploi et l'économie sans mesure d'adaptation, avec des pertes d'emploi, des pertes d'heures de travail, de l'impact sur les outils de production, et puis les enjeux de santé publique au niveau de la surmortalité, des maladies vectorielles, avec la pollution de l'air et des allergies au pollen. Je reprends aussi la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, notamment l'importance aujourd'hui pour les salariés, et pour aussi les citoyens. Donc voilà, on a cinq principaux fondamentaux qui construisent notre vie et notre sens. À la fois, donc là, vous avez la pyramide sur le versant privé et sur le versant professionnel. Et moi, j'en ai rajouté un sixième qui était les besoins existentiels. Donc, c'est-à-dire d'avoir un climat soutenable, l'air respirable, des ressources alimentaires et en eau et la paix et cohésion sociale. Et donc, c'est une... cette menace, donc finalement, c'est les besoins existentiels sur lesquels la sécurité économique et la qualité de vie au travail aussi peuvent se construire, puisque sans ça, c'est difficile de parler de santé et sécurité au travail si déjà les besoins existentiels ne sont pas atteints. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet sur la qualité de vie et les conditions de travail, qu'est-ce que la QVCT? Alors, j'ai repris la définition qui est la plus complète et la plus adaptée, qui vient de l'accord national interprofessionnel de 2013, qui définit donc comme les actions qui permettent de concilier amélioration des conditions de travail pour les salariés et performance globale de l'entreprise. Autrement dit, des salariés qui prennent du plaisir au travail dans un milieu respectueux de leur santé et de leur sécurité et qui contribuent à la performance globale de leur entreprise par leur propre plaisir et leur propre performance individuelle. En 2021, la loi santé travail a introduit le C de QVT, donc en introduisant la notion de conditions pour renforcer la prévention en santé au travail et le contenu du travail. La QVT était trop perçue comme le baby-foot, enfin, c'était un petit peu le cliché qui était utilisé, ou la panière de fruits, etc. Donc, on était plutôt dans le chief happiness officer, par exemple, plutôt dans le bonheur au travail, dans la recherche de bonheur. Mais là, aujourd'hui, le législateur a vraiment voulu recentrer sur la prévention en santé au travail. Et on retrouve donc la QVCT dans les négociations annuelles obligatoires. Donc, je vous ai mis les articles qui sont l'objet d'un dialogue social et qui doivent être négociés, notamment pour atteindre des objectifs sur la qualité des conditions de travail.
L'ANACT introduit donc six piliers sur la QVT, donc je vous ai remis là, et on verra finalement pour la suite de la présentation, ce n'est pas ceux-ci qui sont utilisés pour évaluer l'impact du réchauffement climatique sur la qualité de vie au travail, mais on va plutôt avoir une approche sur les risques psychosociaux, puisque ces risques psychosociaux, on les retrouve dans tous ces versants-là de la QVT, donc que ce soit au niveau de la santé au travail, donc la santé psychique et physique, tout ce qui va être compétences, parcours professionnel, l'égalité professionnelle pour tous, donc aussi qui est un enjeu très important au niveau des négociations annuelles obligatoires. Le style de management par un management participatif, l'engagement des salariés, et puis les relations au travail, les relations entre collègues, les relations avec le public. Et puis, le plus important ou presque, le contenu du travail, avec notamment le sens du travail et puis l'intensité du travail qui peut conduire éventuellement à de la pénibilité. Pour reprendre brièvement, donc, moi j'ai fait mon mémoire professionnel que j'ai réalisé l'année dernière. Donc, je l'ai fait sur la base d'une consolidation d'informations bibliographiques scientifiques de revues de presse. C'est vraiment le rapport de l'ANSES. L'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui m'a servi voilà, comme pilier de ce mémoire-là et que je vais reprendre un petit peu les principales conclusions par la suite. J'ai pu interviewer différents experts et notamment concilier à la fois des livres sur l'éco-anxiété, les émotions du dérèglement climatique ou l'entreprise existentielle, donc vous avez les auteurs à gauche de l'écran, avec des bases de données plutôt qui se trouvaient plutôt dans le monde du travail, avec l'ADEME, l'IRSN et l'INERIS, ou des enquêtes d'opinion comme celle de Technologia, donc qui m'ont permis de construire toute une réflexion autour des nouveaux enjeux de la QVCT dans le contexte du réchauffement climatique. Pour poursuivre, donc, le lien entre l'anxiété climatique et le rapport au travail, donc trois chiffres clés. Aujourd'hui, donc 22% des Français ont comme principale préoccupation le réchauffement climatique. Donc ça, c'est le dernier baromètre IRSN de 2022. Et dans ces 22%, eh ben, on a 74% des jeunes de moins de 25 ans qui pensent que le futur est effrayant et 48% que l'humanité est condamnée. Ça, c'était une enquête The Lancet 2021. Et puis, une enquête aussi récente donc, sur les actifs et le sens du travail. L'année dernière, donc 4 actifs sur 10 envisageaient de quitter leur emploi pour davantage de sens dans les 2 ans à venir. Pour faire un petit zoom sur ces jeunes, donc les jeunes de moins de 25 ans, alors vous avez tous en tête Paris Agrotech ou certaines filières d'étudiants élitistes donc, du coup, qui ont appelé à démissionner, en tout cas à déserter du coup, leur diplôme dont le contenu n'était pas adapté à l'urgence écologique. On a eu aussi le manifeste pour un réveil écologique qui est signé aujourd'hui par plus de 34 000 étudiants. Et puis, on a 31% des jeunes, donc des moins de 35 ans, qui se posent plus de questions sur le sens au travail qu'avant la crise Covid. Donc ça, c'est aussi un élément de contexte important à prendre en compte pour notre sujet de la présentation de la semaine de 4 jours. Ah oui, j'ai vu. Il y a un micro qui est ouvert. Pareil, du coup, alors là, du coup, quand j'ai préparé la présentation d'aujourd'hui, en même temps, ça m'a permis voilà, de me replonger. Il y a une enquête encore toute récente là, qui est sortie de l'UNEDIC, donc concernant l'assurance chômage, qui met en avant donc, que 85% des actifs se déclarent préoccupés par le changement climatique, 84% qui veulent un travail en adéquation avec le défi climatique, 7 salariés sur 10 qui jugent qu'un engagement actif de leur entreprise est un levier de fidélité. Et puis 26%, donc là on retrouve un petit peu la part des 4 sur 10 de l'enquête de l'ANACT qui était présentée juste avant, dont 26 salariés, donc 26 actifs sur 26% des actifs envisageraient de changer d'entreprise ou de secteur pour être davantage en accord avec leurs valeurs et les enjeux écologiques et environnementaux. Pour zoomer un petit peu sur le rapport de l'ANSES, voilà, j'ai fait un résumé d'un rapport qui est hyper intéressant, notamment s'il y a des personnes autour de la table qui travaillent notamment dans les services de santé et sécurité, j'encourage vraiment à le parcourir. Il date de 2018 et il présentait déjà un certain nombre de conclusions qui prennent encore plus leur sens aujourd'hui, notamment après les canicules de 2022. Donc, on retrouve les enjeux sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Donc, tout d'abord, au niveau des risques naturels et technologiques, donc, qui peuvent impacter le salarié à la fois dans sa vie professionnelle et personnelle,
et qui peut impacter les biens et les chaînes de valeur de l'entreprise. On a 13 risques professionnels qui sont directement impactés par l'élévation, notamment les vagues de chaleur, l'élévation de température et puis les aléas climatiques. Il y a les travaux à la chaleur directement, mais donc les vagues de chaleur peuvent entraîner aussi une baisse de la vigilance avec une intensité plus importante de la charge physique de travail. Les travailleurs en extérieur, et notamment ceux exposés aux déplacements routiers importants, sont particulièrement exposés aux aléas climatiques extrêmes. On parlait notamment des orages, ou tout à l'heure quand on parlait des orages de grêle importants qu'on a pu connaître l'année dernière. Il va y avoir une évolution de l'environnement biologique et chimique, notamment liée aux vagues de chaleur, avec une hausse d'évaporation des substances chimiques volatiles qui peuvent entraîner des inhalations plus importantes avec des risques d'éclatement des récipients et des risques d'atmosphère explosive augmentée. Aujourd'hui, on a des travaux de l'INRS et de l'ANSES qui se basent sur les risques liés aux polyexpositions. Et notamment, les risques, les vagues de chaleur peuvent entraîner un risque accru aux polyexpositions, notamment quand on va combiner ensemble du travail physique, des postures contraignantes, des équipements de protection individuelle, de la chaleur, voire même une pression sur le temps de travail. Voilà, et donc, du coup, qui peuvent exposer de manière importante le salarié à un accident du travail. Et puis, le rapport de l'ANSES explique que tous les facteurs de risque psychosociaux préexistants sont aggravés et avec la possibilité d'apparition de nouveaux facteurs. Au niveau des décès en relation avec le monde du travail, on avait en bas à gauche, là, vous avez un petit bilan qui vient aussi de Santé publique France. Donc, on était à 12 décès qui ont été mentionnés en 2020, aucun en 2021, comme on n'avait pas eu de vague de chaleur, et 6 qui seraient liés au travail en 2022. Concernant les facteurs de risque psychosociaux préexistants et aggravés, j'ai repris les facteurs de risque du rapport GOLAC avec les sous-déterminants et les causes. Et là, on voit bien que dans chaque facteur de risque, on a un impact qui est directement lié au réchauffement climatique. Si je prends par exemple l'intensité du travail et le temps de travail, donc notamment ça va être le travail en extérieur avec l'interruption du travail pour des notions de prévention. L'impact des polyexpositions, l'adaptation des horaires de travail. Comme vous savez, quand il faut commencer à 5h ou 4h du matin pour pouvoir finir à 11h avant les vagues de chaleur pour éviter des risques trop importants pour la santé l'après-midi. Et puis, voire même avec la baisse de la récupération nocturne, c'est que notamment les salariés qui vont dormir dans des îlots de chaleur, notamment dans les villes, etc., ou qui n'ont pas de système de rafraîchissement à la maison ou quand ils sont en déplacement, cela peut entraîner des perturbations du sommeil et donc derrière davantage de risques, notamment liés à la vigilance pendant la journée. Voilà. On a des impacts aussi sur l'autonomie. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Les exigences émotionnelles et les rapports sociaux. Donc là, à chaque fois, les causes. J'ai croisé entre le rapport Lancès et les différents ouvrages que j'ai pu consulter, notamment sur les émotions du dérèglement climatique, ou les vagues de chaleur aujourd'hui, c'est démontré une augmentation du stress qui augmente l'agressivité, donc les comportements, donc avec une possibilité d'augmentation des violences internes et externes, voire une aggravation des tensions avec l'encadrement, les collègues ou le public. On a aussi des causes de l'aggravation sur l'insécurité, la situation de travail, notamment lié aux heures perdues, notamment si vous parlez de la construction ou de l'agriculture. Aujourd'hui, si des personnes et des entreprises sont obligées d'arrêter leur activité pendant plusieurs semaines, ça peut avoir des conséquences considérables sur le chiffre d'affaires. On peut avoir aussi des destructions des outils de production, avec une diminution de la productivité, notamment liée à la fatigue et à la vigilance. Donc tous ces facteurs-là qui peuvent entraîner augmenter l'insécurité liée à la situation de travail. Et puis, on a les conflits de valeurs avec les conflits éthiques ou la qualité empêchée, notamment quand il peut y avoir des instructions contradictoires de l'employeur entre les nécessités de production et puis de prévention, et voire même ce qu'on a vu tout à l'heure un petit peu dans les salariés et les actifs aujourd'hui qui cherchent plus de sens, c'est de la dissonance cognitive entre
la dissonance cognitive entre la conscience écologique des salariés et puis le, les préoccupations, les intérêts de l'entreprise. Donc, ce rapport 2018 de l'ANSES déjà recommandait aux employeurs de promouvoir la sensibilisation aux effets du changement climatique, d'intégrer dès à présent les impacts du changement climatique dans les démarches d'évaluation des risques et puis de développer de nouveaux outils. Donc, ce rapport qui est sorti en 2018, l'actualité de l'époque n'a pas permis de le mettre en valeur. Et en fait, en discutant avec les directeurs de cette expertise, ils retrouvent beaucoup plus d'attrait depuis 2021 notamment, où le monde du travail s'y intéresse et l'ANSES est à nouveau plus sollicité sur la base de ce rapport pour l'évaluation des risques professionnels. Donc voilà, donc on reprend un petit peu notre fil conducteur. Donc on voit une préoccupation grandissante des Français avec des troubles anxieux, du stress, de l'éco-anxiété et puis des conséquences sur la santé et les conditions de travail. Dans mon mémoire, donc je vous restitue aussi brièvement une enquête que j'ai réalisée en avril-mai 2022, finalement qui vient un petit peu corroborer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc il ciblait les personnes en emploi et préoccupées par le réchauffement climatique. Donc, pour rappel, c'est 22% de la population française en 2021. Et c'était pour documenter ma problématique. Et la majorité des répondants, après cette enquête, donc, pensent que le réchauffement aura un impact négatif sur l'activité de l'entreprise, émet des inquiétudes sur son activité, sur son avenir personnel et professionnel, redoute des changements non désirés et estime que les employeurs ont encore trop peu pris en compte le réchauffement climatique. Mais globalement, ces personnes ne craignent pas de perdre leur emploi. Et pourquoi c'est important, notamment quand on va passer aux nouveaux besoins des salariés par rapport à l'enquête, donc c'est 20% des personnes qu'on pouvait qualifier en conflit éthique, donc qui devaient faire des choses dans leur travail qui ont un impact sur le climat et qu'elles désapprouvent. Et parmi ces 20 personnes, donc qu'est-ce qui agit comme facteur de protection? Et bien, c'est l'autonomie sur les initiatives environnementales et soutien social, notamment pouvoir discuter avec ses collègues de ses inquiétudes, ou d'avoir aussi des initiatives qui sont en ligne avec ses propres valeurs pour pouvoir les mettre en place sur le lieu de travail. Et puis, parmi ces personnes-là, donc les personnes qui sont en conflit éthique, et puis les personnes qui n'ont pas d'autonomie pour les initiatives sur le lieu de travail, et bien, dans ces 22%, c'est l'ensemble de ces personnes-là qui souhaitent changer d'emploi assez rapidement. Donc, deux voies sont possibles pour les salariés plus préoccupés en conflit de valeurs. Donc, on dit souvent que l'action... c'est aussi un moyen du coup de diminuer des fois cette anxiété ou cette préoccupation. Donc là, on va chercher plutôt l'intrapreneuriat avec des actions qui peuvent être mises en place, qui ne sont pas prévues sur la fiche de poste, mais dont l'employeur laisse de l'autonomie pour le faire. Le dernier levier, ça va être la démission, la reconversion professionnelle dont on parle beaucoup aujourd'hui, notamment dans le cadre qu'on appelle la grande démission et la crise de sens. Dans cette enquête, donc, les salariés préoccupés par le climat sont demandeurs de sensibilisation et d'engagement concret à adapter à l'urgence de la part de leurs employeurs. Pour eux, l'autonomie pour des actions sur le lieu de travail et pouvoir parler de ses émotions avec les collègues est un levier de protection. Et puis, des répondants plébiscitent des groupes de discussion ou de soutien, donc de pouvoir parler clairement, ouvertement, pendant leur temps de travail ou en tout cas en marge du temps de travail, mais avec les collègues, des fois de leurs inquiétudes ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Donc, ça peut donner dans certaines entreprises l'émergence de collectifs de transition écologique, par exemple, ou de collectifs environnement, donc qui vont parler, qui vont proposer à l'employeur des actions pour répondre aussi à leurs préoccupations. Aujourd'hui, on est un petit peu dans une roue, c'est-à-dire que les effets du réchauffement climatique vont se poursuivre et s'accentuer. La préoccupation climatique de la population, elle croît. Et donc, du coup, cette population-là a des attentes plus importantes envers les politiques publiques et les employeurs, et notamment vis-à-vis des entreprises les plus polluantes. Et puis, ces salariés-là, donc, ça va conduire à une mobilisation, des prises d'initiative, de l'intrapreneuriat, et qui peut potentiellement pousser les salariés à démission, à la reconversion, si la dissonance avec l'activité, le modèle économique de l'entreprise ou la culture de l'employeur est trop en écart avec leurs propres valeurs. Donc, ça peut entraîner une dissonance trop importante. Et voilà, là, aujourd'hui, on est dans cette spirale qui pourrait augmenter encore dans les prochaines années avec, on voit, le réchauffement global.
Voilà, pour résumer brièvement, donc quelques chiffres clés sur les nouveaux enjeux de la qualité de vie au travail. Donc, on a déjà vu hein, les enjeux de santé publique et socio-économique, des risques professionnels augmentés, les facteurs de risques sociaux, psychosociaux qui vont être aggravés. Et puis, on a l'éco-anxiété donc, qui peut mener à un nouveau facteur de risques psychosociaux qui va être lié au conflit de valeurs. Donc, ce conflit peut être à la fois un moteur d'engagement, typiquement à quelqu'un qui s'engage au sein d'une entreprise et très respectueuse de l'environnement ou une association va être particulièrement motivé ou à risque de désengagement si on voit que les actions sont préjudiciables pour l'environnement. Les salariés préoccupés sont demandeurs d'engagement concret de par des politiques RSE, des réductions des gaz à effet de serre et puis l'amélioration des conditions de travail. Et puis, on est aussi dans une dynamique de poursuite de la quête de sens post-Covid, avec une évolution des attentes, recherche d'emploi et ou d'entreprises qui ont un impact social ou environnemental positif. Donc, à droite, là, vous verrez, c'est à chaque fois des chiffres clés qui sont issus ou bien d'ouvrages ou bien d'études spécialisées qui ont été faites dans ce domaine. Pour répondre aux attentes de ces salariés, donc maintenant, les enjeux aujourd'hui de l'entreprise seraient de concilier, développer des politiques responsabilité sociétale des entreprises. Donc voilà, je l'aborde très brièvement ici, même si ça peut faire l'objet d'autres petits-déj de la FQP, et puis de les concilier sous un socle commun avec la qualité de vie et les conditions de travail, de ne pas traiter les deux parties de manière différente. Parce que pour reprendre la FNOR dit que la QVT et la RSE sont liées par un socle commun, qui est le respect de l'humain. Et donc, une démarche QVT efficace vient renforcer une stratégie de responsabilité sociétale et, à l'inverse, des pratiques RSE concrètes contribuent à une meilleure qualité de vie au travail. Et on voit tout son sens aujourd'hui avec l'impact des conditions de travail du réchauffement climatique et puis les enjeux, notamment le PIL de la RSE lié à l'impact sur l'écologie et l'environnement. Voilà, qui doivent être pris en compte au niveau des politiques de l'entreprise. Donc, pour développer ces politiques RSE QVCT, donc dans ce qui est publicité par les salariés de plus en plus, donc voilà, là tout ça, c'est dans le mémoire professionnel que j'ai pu réaliser, que je pourrais transmettre à Valérie si certains souhaitent le consulter voilà, pour avoir l'ensemble des détails de cette étude. Quelques mesures pourront faire l'objet d'un accord qui concilie ces deux enjeux de RSE QVCT. Donc, c'est notamment d'aider des associations en faveur de l'environnement à libérer du temps aux salariés qui souhaitent s'engager. Par exemple, des programmes d'engagement solidaire. On a vu aujourd'hui la sécurité civile, notamment les pompiers, pendant les incendies, donc, du coup, avec certaines entreprises qui libéraient gracieusement leurs salariés pour pouvoir venir en aide à la sécurité civile. On peut aller aussi au-delà de la réglementation pour favoriser et rémunérer les congés pour l'engagement associatif. Ou aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est favoriser au travers des objectifs individuels les initiatives environnementales portées par les salariés pendant les heures de travail. Voilà, donc tout ça, ça a des bénéfices à la fois pour les salariés, à la fois pour l'entreprise. Et puis, on a comme mesure des accords d'intéressement sur les objectifs environnementaux, par exemple sur les objectifs de sobriété, sur les objectifs de pollution numérique, ou l'obtention d'un label, d'une certification engageante, voilà, qui pourrait conditionner certains critères d'intéressement pour être une source de reconnaissance financière, une écologie incitative auprès des salariés. Et puis, on a aussi le forfait mobilité durable, donc, qui est maintenant intégré pleinement dans les négociations liées à la qualité de vie aux conditions de travail depuis la loi d'orientation des mobilités, et donc aussi qui constitue une politique favorable à cette adaptation. Pour faire un zoom sur la semaine de 4 jours, donc voilà, et pour passer le bâton ensuite à Parabout, donc pour nous en parler plus spécifiquement par rapport à l'organisation, moi j'ai repris quelques études toutes récentes sur ces bénéfices, donc pareil, qui peuvent faire l'objet d'accords d'entreprise. Donc tout d'abord, en lien avec notre thématique, la semaine de 4 jours elle a un impact positif sur la planète. C'est une étude britannique qui nous l'apprend. Donc, ça pourrait entraîner les émissions des gaz à effet de serre de près de 21% au Royaume-Uni, donc ce qui représente l'équivalent des émissions annuelles du parc automobile. Et donc, cette diminution serait expliquée notamment par la consommation d'énergie, des bâtiments, des industries, etc., qui serait diminuée.
Et puis, par les comportements individuels avec une amélioration des habitudes alimentaires ou des activités extra-professionnelles, où il y a une étude américaine qui montre que les ménages qui travaillent le plus ont une empreinte carbone nettement plus importante que ceux, voilà, qui ont un meilleur équilibre vie pro-vie perso. Donc, pour remettre un petit peu le contexte, 20% pour 40 millions de Britanniques de gaz à effet de serre, à savoir qu'en France, la France s'est engagée à réduire ses gaz à effet de serre de 40% en 2030 par rapport à 1990. Là, on a fait 2,5% l'année dernière, donc on est encore très loin des 40% pour les 7 prochaines années. Et donc voilà, ça peut être un facteur aussi qui peut être pris en compte dans la réflexion globale. Une enquête ADP, donc aujourd'hui, pour montrer l'attente aussi de la population, donc 64% des salariés français voudraient profiter d'une plus grande flexibilité dans l'organisation et leurs horaires de travail, avec la possibilité de les concentrer sur 4 jours. Donc voilà, donc la plupart des répondants seraient prêts à diminuer leur rémunération en échange d'une meilleure qualité de vie pro-vie perso. Et notamment, qu'est-ce que feraient ces personnes-là sous forme de temps partiel individuel ou de politique d'entreprise? Eh bien, ce qui est plébiscité, c'est libérer du temps pour soi et pour les siens, consacrer du temps pour des causes positives pour la société, par exemple des associations, travailler moins pour polluer moins, bah, comme on l'a vu juste avant, avec les effets bénéfiques aussi pour l'environnement, et puis accepter de gagner moins, de moins consommer pour vivre mieux au quotidien. Et enfin, ma dernière slide pour ensuite passer le bâton à Paraboot. Donc, bah, encore une toute dernière étude qui a été faite encore au Royaume-Uni et qui a été restituée là en février 2023, qui s'est basée sur 2 900 salariés dans 61 entreprises. Donc, une expérimentation qui a duré 6 mois. Donc, 71% de ces salariés-là ont déclaré que leur niveau d'épuisement professionnel avait baissé et aussi quasiment 40% qui se sentent moins stressés. Ça a entraîné une diminution de 65% du nombre d'arrêts maladie. 40% de ces salariés estiment après coup mieux dormir. Le chiffre d'affaires, lui, a augmenté de 1,4%. Donc voilà, peut-être qu'on aura plus d'explications aussi sur les bénéfices sur le chiffre d'affaires, notamment l'engagement et la productivité des salariés qui travaillent moins longtemps dans la semaine, mais finalement plus efficacement sur 4 jours. Et puis 56 entreprises maintiennent la semaine de 4 jours après l'étude et 18 l'ont adoptée définitivement dans leur politique RH. Un petit focus en France aujourd'hui, donc seuls 5% des entreprises de l'Hexagone ont adopté la semaine de 4 jours. Et puis, on a une expérimentation en cours au niveau de l'État aujourd'hui, de la semaine à 36 heures, au niveau de l'URSSAF Picardie. Et aussi, certains préventeurs voilà, appellent à la vigilance des effets potentiellement négatifs de la semaine de 4 jours, puisque augmenter les heures de travail dans la semaine réparties sur 4 jours, ça peut entraîner une fatigue mentale et un accroissement du risque d'erreur, donc des conséquences sur les risques psychosociaux. Je vous ai mis quelques ressources inspirantes, du coup, vous pourrez aller voir. Donc, tout ce que je vous ai un peu expliqué là sont repris aussi dans cette revue de presse. Vous pourrez chercher éventuellement d'autres informations si besoin. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà, je vais passer la parole à Paraboot. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si on a un peu de temps à la fin, on pourra y prendre un peu de temps pour répondre. Merci Fabien. Donc, on va passer la parole à Patrick Bousta pour son témoignage. On ne vous entend pas, Patrick. Votre micro est Là, coupé. ça va aller mieux. Super. Bonjour, donc Patrick, j'ai 10 minutes pour vous parler de ce qu'on vit chez Paraboot, hein, avec la semaine des 4 jours. Donc, parce que tout a été dit. Donc, simplement, je vais vous présenter rapidement l'entreprise. Ensuite, quelques mots sur les différentes actions et modifications qu'on a mises en place dans le cadre de la QVCT, et puis derrière, la semaine des 4 jours. Donc, Paraboot, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1908. On fabrique des chaussures. Aujourd'hui, on fabrique à peu près 100 000 paires de chaussures par an. On a un ancrage local assez fort. On est basé dans l'Isère depuis la création. Donc, au niveau des modifications de management qu'on a mis en place et d'organisation, donc dans le sens de la QVCT, on a mis en place tout ce qui est pilotage à intervalles courts. Donc, on essaie de remettre l'homme au centre du système pour donner du sens à ce que les gens font. On a créé un service amélioration continue. Donc, là, on crée régulièrement des petits groupes de travail pour traiter des problématiques terrain.
Et on a travaillé aussi en parallèle sur la mise en place d'un nouveau parcours d'intégration et de formation des opérateurs. Et on a aussi travaillé sur la semaine des 4 jours. Donc, plus précisément, la semaine des 4 jours, on a commencé à en parler l'année dernière, au moment de l'augmentation des prix des carburants. Donc, on s'est dit, pour limiter cet impact sur nos opérateurs, on va essayer de leur proposer de travailler 4 jours, donc c'est-à-dire 20% de déplacements en moins. Donc, la première approche a été plus ou moins bonne, plus ou moins bien acceptée. Donc, on a parlé de notre envie, notre proposition de 4 jours au niveau du comité d'entreprise. L'accueil a été assez froid. On nous a dit, non, 4 jours, on va travailler plus. Les journées seront plus longues, donc ça va être plus compliqué, on va être fatigué, donc on n'a pas forcément envie. Donc je suis revenu une deuxième fois sur le sujet parce que j'avais mis la semaine des 4 jours en place avec la loi Aubry il y a 20 ans dans une entreprise de l'Isère. Et depuis 20 ans, ils sont toujours aux 4 jours. Donc j'ai vu un peu l'intérêt de la semaine des 4 jours. Donc on a rebouclé un petit peu avec tout le monde, on a refait des sondages, on a levé les risques potentiels et le risque c'était vraiment... La crainte des gens, c'était un, la crainte du changement, parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et surtout, c'était la pénibilité de la journée. OK, forcément, on va faire des journées beaucoup plus longues, donc plus pénibles. Donc, après différentes consultations avec nos opérateurs, on a défini des horaires, tests. Donc, la journée avant chez Paraboot, c'était 7h, midi, 13h, 16h, donc du lundi au vendredi. Vendredi, c'était quoi le matin. Donc, on a modifié les horaires. On fait 6h45, 12h, 12h45, 16h15. Donc, en fait, on commence un quart d'heure plus tôt le matin. On termine un quart d'heure plus tard le soir. On a diminué la pause de midi en production, parce qu'en sachant que 99,9% des opérateurs mangent sur place. Donc, une durée de 45 minutes, c'est largement suffisant pour la pause. Donc, on fonctionne comme ça depuis septembre. Aujourd'hui, je pense que plus personne ne veut revenir à la semaine des 5 jours. Lorsqu'on demande à certains de venir travailler le vendredi pour augmenter notre capacité de production, c'est toujours un peu compliqué. Non, aujourd'hui, nous, c'est 4 jours. Donc, les intérêts sont doubles, autant pour l'entreprise que pour le salarié. Donc, au niveau de l'entreprise, comme abordé tout à l'heure, on a diminué... nos consommations d'énergie. Donc, on a fait des gains énergétiques, notamment on a un jour par semaine où on chauffe moins, où on a moins de fuite d'air, on ne fait pas tourner nos compresseurs. On a eu un gain aussi sur la tractabilité de notre entreprise. Donc, on sait tous que c'est compliqué d'embaucher du personnel. Nous, sur l'exercice 21-22, on a embauché 19 personnes. Les gens qu'on a embauchés sont restés. Le turnover, on en a de moins en moins. On a aussi un gain sur la productivité, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, on sait qu'en production, on perd énormément de productivité en début et en fin de journée, parce que le temps de se mettre en route et le temps de s'arrêter, on s'arrête toujours un petit peu avant. Donc là, on a diminué de 20% les débuts d'équipe et les fins d'équipe, vu qu'on travaille un jour de moins. Au niveau des opérateurs, ils ont eu un gain au niveau des consommations d'énergie. Le carburant, ils ont 20% de carburant en moins pour venir travailler. Ils ont eu un gain aussi au niveau des temps de disponibilité. C'est-à-dire que le vendredi, ça leur permet d'avoir une journée off pour faire plein de choses. Ça leur permet aussi d'avoir cette journée off pour faire des gains sur la cantine des enfants, sur la garderie, sur les frais de garderie. Le côté négatif, aujourd'hui, vraiment, on n'en a pas vu chez nous. Toutes les craintes du départ ont été levées. Et ce que je disais il y a 3 minutes, en fait, si on demande aux opérateurs de revenir à la semaine des 5 jours, je suis sûr, pour l'avoir demandé plusieurs fois, que personne ne voudrait faire marche arrière. Donc, c'est un petit peu compliqué, et c'est toujours un peu compliqué à la mise en place. On a peur du changement, on a peur de ce qui va arriver demain. Mais lorsqu'on a démarré, lorsqu'on est rentré dans cette routine, tout le monde y trouve un intérêt.
Moi, j'ai eu le même problème il y a 20 ans, hein, lorsqu'on a mis en place les calorbris. L'objectif n'était pas le même, c'était surtout de dire bon, on va faire la productivité, parce que passer 40 heures à 35 heures, c'est plus simple de le faire sur 4 jours. Là, j'avais eu une grosse réticence de mes employeurs, parce que c'était une société familiale, avec un patron qui était dans l'entreprise depuis, on va dire 50 ans, mais à peu près. Donc pour lui, l'entreprise devait tourner du matin au soir, hein, de 7h à 21h, et le samedi, dimanche, ça aurait été bien mieux. Lorsqu'on lui a dit on va travailler que 4 jours, là, c'était très, très compliqué. Par contre, au bout de 3 ou 4 mois, étant donné qu'on avait fait pas mal de gains de productivité, donc ça a satisfait aussi à ses besoins, et aujourd'hui, il continue à fonctionner comme ça. Donc voilà pour moi. Donc en résumé, un peu compliqué à la mise en place. Après, je pense que tout le monde y trouve un intérêt. Peut-être préciser combien vous êtes chez Paraboot? En production, une centaine. Et du coup, est-ce que vous auriez des conseils pour initier, et quel est le temps entre le moment où on lance l'idée et le moment où concrètement on démarre? Donc nous, ça nous a pris chez nous à peu près un mois. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment rentrer dans une phase consultative et puis d'explication en fait. Lever des craintes, hein, c'est comme dans le démarrage de tout projet. Définir vraiment le contexte et puis essayer d'identifier clairement avec les opérateurs les points forts, les points faibles. Et puis quelquefois, on était amené à modifier un tout petit peu le projet d'origine. Parce qu'à la base, on voulait faire une pause d'une demi-heure à midi, que les gens terminent à 16h en fait, pour récupérer les enfants à l'école. Et puis en finale, après un sondage, ben, les opérateurs préféraient terminer un quart d'heure de plus et prendre 45 minutes de pause à midi. Donc, je pense que c'est vraiment un projet collaboratif où il faut définir le cadre avec les opérateurs. Après, on a eu deux cas sur 100 personnes. Là, c'était compliqué de rentrer dans le cadre qu'on a défini. Donc, on a fait des exceptions, notamment il y a deux personnes qui terminent à 16 heures pour récupérer leurs enfants à l'école et qui commencent 15 minutes plus tôt à midi. Et est-ce que vous avez des questions pour Patrick, hein, au regard de vos propres entreprises, de vos interrogations, des freins éventuels? Est-ce que vous avez déjà envisagé de passer à 4 jours dans vos entreprises respectives? J'ai levé la main. Ah, pardon, pardon, je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup pour ces. J'ai déjà mis à Fabien pour cette excellente présentation et au témoignage de Paraboot. Bravo. Moi, je me posais la question sur cette semaine de 4 jours, parce qu'on dit voilà, ça peut ba faire baisser l'énergie, mais en même temps, on sait très bien qu'il y a le télétravail qui prend beaucoup d'ampleur, donc on peut se dire que finalement, le cinquième jour peut être un jour de télétravail. Et puis, je me pose une autre question, à savoir les week-ends de 3 jours, bah aussi, les gens partent beaucoup avec leur voiture en week-end. Donc voilà, je me demandais quels pouvaient être à la fois les avantages et les inconvénients, sachant aussi que certaines études récemment ont montré. Je ne suis pas du tout ni pour ni contre. Là, je pose les questions de manière très ouverte. Certaines études ont montré que travailler 4 jours intensément était beaucoup plus fatigant que travailler 5 jours plus calmement. Et en même temps, je comprends tout à fait que les gens souhaitent avoir les 3 jours de week-end. Voilà, donc ma question, télétravail, qu'est-ce que j'ai dit? Télétravail, départ en week-end et puis finalement fatigue sur 4 jours. Qu'en est-il? Si tant est que vous ayez des témoignages ou des réponses. Donc pour nous, au niveau du télétravail, on a mis en place un accord télétravail au niveau des administratifs et des bureaux. Donc là, oui, c'est la semaine de 5 jours avec un jour de télétravail. En production, ce n'est pas possible de mettre du télétravail, parce que les opérateurs sont sur des postes avec des machines. Donc on est parti sur la semaine des 4 jours. Ensuite, les départs en week-end, oui, peut-être pour une certaine catégorie de personnes, notamment les administratifs, oui, certainement. Plus en week-end. Je pense que certains opérateurs partent pas régulièrement en week-end sur la côte, j'imagine. Donc pour eux, l'intérêt, c'est de faire des gains financiers en limitant les garderies et puis en limitant les frais de cantine pour les enfants. Après, la pénibilité du travail,
Aujourd'hui, les opérateurs sont plus productifs, ce que je disais tout à l'heure, principalement parce qu'on diminue sur la semaine le nombre de jours, donc le nombre de temps perdu au démarrage des journées, de temps perdu en fin de journée. Le reste de la journée, les gens ne travaillent pas plus vite, hein, loin de là. Et en parallèle, on a associé ça avec la mise en place d'un nouveau mode de pilotage, hein, où on travaille vraiment avec un pilotage à intervalle court. On met des groupes de projets de résolution de problèmes en interne. Donc, ça permet largement à certains opérateurs de prendre une demi-heure ou 40 minutes ou 45 minutes régulièrement dans la semaine pour aborder un sujet, pour traiter un irritant qu'ils rencontrent, en fait. Donc, avec leur retour aujourd'hui, hein, parce qu'on suit un petit peu l'évolution de tout ça, donc on a reposé des questions, notamment pas plus tard que la semaine dernière. Aujourd'hui, aucun opérateur voudrait revenir à la fin de jour et ne se sente pas forcément plus fatigué. Mais effectivement, je crois qu'il y aura une grosse différence à faire entre les administratifs et puis les services de production. Tout à fait. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Administratif, c'est un jour de télétravail. On se posait même la question sur l'année qui arrive pour modifier cette journée de télétravail en faisant une semaine sur 4 jours et demi plutôt qu'une semaine sur 5 jours avec une demi-journée de télétravail. Ouais, ok. Merci beaucoup. En tous les cas, c'est très stimulant et c'est vraiment un champ de recherche qui va devenir extrêmement prégnant, extrêmement important. Merci à vous. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Patrick? D'autres interrogations? Ou pour Fabien? Moi, du coup, j'en ai une pour Patrick. Oui. Parce que du coup, là, ce que j'entends, c'est que c'était une initiative de la direction, finalement, cette semaine de 4 jours. Et première chose que les employeurs pourraient penser, en tout cas, moi, les entourages que j'ai, c'est la perte de productivité. C'est vraiment cette crainte-là. Comment ça se fait que l'entreprise, ou en tout cas l'employeur, a décidé de se lancer là? Finalement, vous avez vu les gains après la productivité. Là, on a vu des études qui sont finalement assez récentes. Qu'est-ce qui vous a permis de passer peut-être cette croyance limitante sur la productivité? Ce qui nous a permis, c'est un, je fais partie de la direction, donc c'est plus simple. Et deux, je l'ai vécu en 2000 hein, avec la loi Aubry. Donc les résultats, je les connais. Enfin, je les connais. J'imaginais au moins les connaître. L'entreprise, c'est une entreprise de l'Isère hein, qui est passée aux 4 jours. Avec la loi Aubry, est toujours à 4 jours aujourd'hui. Donc, moi, je suis resté dans cette entreprise 6 ans après avoir le passage à 4 jours. Donc, j'en ai vu les points positifs. Et aujourd'hui, c'est vrai que la direction, en faisant partie de la direction avec les autres membres, nous font confiance. C'était plus facile de le mettre en place. Mais ça peut être une crainte à la base de dire, bah oui, qu'est-ce qu'on va gagner? Merci. On va passer la parole à Henri Niguet, notre président de la FQP Aura. Bonjour Henri. Oui, bonjour à tous et bravo pour ces deux interventions et les questions qui sont posées. Elles sont très, très intéressantes. Puis on rejoint le volet social, et le volet environnemental et le volet efficacité économique. Donc, c'est vraiment complètement dans les sujets que la FQP Aura traite quand on parle de performance globale. Donc, merci. Des témoignages très, très, très positifs, très, très bien argumentés et très ressourçants. Je voulais poser une question sur est-ce que vous êtes inspiré, est-ce que vous avez regardé ce qui a été fait chez LDLC avec beaucoup de communication de Laurent de la Clergerie pour faire la promotion de la semaine de 4 jours. Alors, LDLC, c'est une entreprise un peu particulière où la semaine de 4 jours peut être mise en œuvre plus facilement que dans des entreprises plus manufacturières. Mais est-ce que vous êtes inspiré de ce témoignage qui est souvent très, très fort de Laurent de la Clergerie? Patrick? Non, pas du tout. Je ne connaissais pas. Vous ne connaissiez pas vous ne connaissez pas le témoignage de la société LDLC d'informatique, de distribution de matériel informatique, et Laurent de la Clergerie, on le voit dans pas mal de médias ou sur les réseaux sociaux,
et sur, voilà, sur son réseau social où il y a des témoignages assez bluffants sur la mise en œuvre de la semaine de 4 jours. Okay. Non, mais je vais regarder, mais honnêtement, je ne connaissais pas. Donc, je ne me suis pas Ah bon, okay. Voilà, ben, tous ceux qui veulent en savoir plus, allez voir ces témoignages qui sont très complémentaires de ce que vous avez présenté aujourd'hui et qui est aussi très, très intéressant. Merci à vous. Voilà, je crois qu'avec le témoignage de Paraboot et puis qu'on a été conforté par la présentation de Fabien, ben j'espère que ça va faire émerger des idées pour vos propres entreprises. En tous les cas, merci beaucoup pour votre participation et puis je vous dis au prochain petit déjeuner AFQP qui aura lieu le premier mardi du mois de juin. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.